Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour, comme vous le voyez, un affichage, donc une horloge numérique. Donc eux, ils appellent ça un color screen calendar. Donc c'est le modèle CJ8082T. Voilà. Donc j'étais agréablement surpris de ce petit calendrier. Donc il était en promotion. Donc tout ce que j'achète, c'est en promotion. Je craque toujours. Donc j'avais besoin d'une horloge. Donc et en plus, elle dit la température. Donc vous voyez ici, elle dit la température. J'ai vérifié avec mes capteurs Xiaomi, c'est correct. Elle donne aussi le taux d'humidité. N'espérez pas d'avoir, pour le prix que je l'ai acheté, donc je vais vous le dire après, n'espérez pas d'avoir de capteur extérieur pour vous dire la météo à l'extérieur. Là, vous voyez ici dans l'affichage, donc c'est juste la petite déception ça, mais bon, c'est pas, je le savais, hein, quand je l'ai acheté, j'ai bien lu les descriptions. Au fait, ici, vous voyez un soleil et des nuages, donc ça change, hein. Ça change. Mais ça va jamais changer, ça peut changer, mais ça va jamais changer chez vous en intérieur. Sauf peut-être si vous êtes en vacances, c'est très très mauvais dehors et vous n'avez pas allumé le chauffage. Mais bon, vu si c'est votre propre bâtiment, je vous conseille toujours de chauffer, bien sûr. Donc c'est pas relié à l'extérieur, c'est relié à l'intérieur. Je vois pas de faire ça. Donc par exemple ici, comme vous voyez, il fait 19 degrés, un taux d'humidité de 61%, il est 14 heures. Là, ce que je voulais dire, donc c'est que donc vous allez avoir des nuages gris, de la pluie, etc. Mais qui est relié à l'intérieur. Bon, moi, depuis que je l'ai acheté, il y a toujours eu soleil. Donc en bas, vous avez les touches. Donc le mode, c'est pour aller changer l'heure, la date. Donc si j'appuie dessus, donc vous allez avoir la date. Donc bien sûr toujours anglais, hein. Donc vendredi le 3 du 11. Régler l'horloge, l'alarme, parce que vous pouvez vous en servir comme réveil. Voilà. Moi je l'ai mis dans mon salon, comme ça j'ai toujours l'heure affichée, hein. Comme ça m'aide à me coucher pas trop tard. Ça, j'ai toujours un œil sur l'heure, même si j'ai toujours mon téléphone. Mais bon, ça c'est visible, c'est éclairé. Dans le noir, c'est pratique. Voilà, donc l'agréable surprise, c'est qu'il m'a été livré avec un câble de branchement USB. Donc je vous montre à l'arrière. Voyez, donc c'est un câble fourni avec. Dans la description, donc il ne disait pas que le câble était fourni. Donc c'est pour ça que j'étais étonné. Il fallait deux piles normalement. Il fonctionne avec deux piles. Le problème quand on le fait le fonctionner avec deux piles, avec les piles, le rétroéclairage s'éteint. Donc on peut le réactiver. Donc étonnamment, ces petites alarmes, donc ce petit a des touches à l'arrière. Je vous montre. Donc ici on voit le bouton on/off. La touche snooze, je suis désolé pour la qualité, donc il veut pas faire le point, toujours le problème. Faudra que j'investisse dans une caméra quand elle sera en promotion. Donc c'est pas grave. Bon, vous avez vu, hein. Donc au fait, quand on l'utilise avec les piles, si vous voulez que le rétroéclairage s'allume, soit vous le touchez tout simplement, comme ça, soit vous tapez dans vos mains. Et là, le rétroéclairage s'allume, donc ça réagit au bruit. Mais le soir, j'ai pas envie de taper, ils ont fourni le câble, donc j'étais étonné, sinon j'aurais utilisé avec les piles. Donc c'était une bonne surprise. Donc c'était pour vous montrer, donc au fait. Elle coûte 7,50 €, était en promo à 5,40 € et avec une petite réduction supplémentaire, je l'ai eu pour 4,20 €. Donc 4,20 €, j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai acheté.
Je l'ai acheté. Le problème, quand elle était en promo et actuellement encore en description, ils mettent qu'elle est blanc. J'ai pris le risque d'acheter. Mais vous voyez bien que le cadran et tout est noir. Je vois pas pourquoi ils mettent blanc. Je pense qu'ils mettent blanc pour l'éclairage qui est blanc. C'est juste ça. Mais bon, si vous l'achetez, vous avez le pied, le support ici. Donc moi, si vous le mettez en face de vous et ça dépend la position, le rétroéclairage peut être moins visible. C'est pour ça que je l'ai un peu penché comme ça. J'ai mis un support derrière pour le pencher un petit peu en avant. Comme ça, j'ai toujours un bel éclairage. Bon, après, ça dépend où vous le mettez, hein, si vous le mettez dans votre chambre ou autre. Donc voilà, c'était pour faire ma petite vidéo sur ce petit support. Donc la petite horloge sympathique à 4,20 € pour moi. Après, vous pouvez le toucher. Je pense plus qu'elle est en promo. Il y a eu deux fois d'affilée des promos à 5,40 €. Attendez toujours, ici on est le 3 novembre, donc attendez le 11 novembre. Donc c'est une fête chinoise et là ils font des grandes promos pour les célibataires. Donc c'est le 11-11. Et là ils font de bonnes promos. Donc merci d'avoir regardé, c'était Dingo Dorwan, à la prochaine!